ce que Patarroyo a mis sur pied pour combattre le paludisme. Vous savez le ravage que fait le paludisme. Mais vous demandez que les firmes pharmaceutiques refusent ça. Parce que ça n'a pas été validé par l'OMS. C'est un crime. Raoult a écrit ça. J'ai aussi son document. Raoult. Donc ce que je veux dire par là, c'est ceci. Lorsqu'on fait un décret pour interdire ce que Raoult donne, c'est une manière de dire, il ne faut pas soigner les pauvres et ceux qui en ont besoin. Parce que si on le fait, il n'y aura plus de malades pour que demain, on puisse tester les vaccins et que demain, on puisse leur vendre cher les médicaments des laboratoires pharmaceutiques qui auront demain des effets pires que ce que vous appelez le médicament de Raoult. Nous savons tout ça. Donc, pour en finir avec cette affaire, les Romains, pour des raisons pragmatiques, ont pris les décrets des Soninkés et ont institué cela. Et plus tard, la mafia a légalisé ça. La mafia interdit que le ministère de la Santé de l'Italie soigne les gens en Sicile. La mafia demande aux pauvres de ne plus donner la dîme à l'église pour enrichir l'église qui est déjà très riche. Mais de donner une partie de la dîme à la mafia pour que la mafia puisse protéger leur propriété, leur famille et tout ça. Et celui qui était le maître de la mafia aux États-Unis, c'est Sam Jacana. Et c'est Sam Jacana qui s'est érigé en protecteur de la famille de Kennedy. Et comme Kennedy a refusé de lui payer l'argent que son parents lui devaient pour qu'il soit sénateur. C'est la mafia qui a fait qu'il est devenu sénateur, le père de Kennedy. Le père de John Fitzgerald Kennedy. Eh bien, John Fitzgerald Kennedy a refusé de payer. Et comme il a refusé de payer, Sam Jacana, qui a des hommes dans le FBI, qui le préviennent, lorsqu'on veut l'arrêter, lui-même, il fuit. Sam Jacana a donc emmené des gens pour droguer Marilyn Monroe et la mettre dans le lit de Kennedy pour filmer. Et comme Kennedy a réussi à avoir les bandes et les a détruits, ils ont donc demandé à ce qu'on le tue. Donc, ce que nous disons, c'est que la loi dont on parle à Hammurabi, c'est ça que fait la mafia. La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et quand on dit œil pour œil, dent pour dent, les Africains croient que c'est biblique. Non. En fait, si on t'attrape, tu n'as pas payé ta dette. Ou tu n'as pas fait d'études. On arrache l'œil à vif. Et on arrache les dents. Et on en fait, l'œil et les dents sont des trophées qu'on met sur un plateau pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas être tenté de ne pas payer sa dette à la mafia. C'est comme ça, ça marche. C'est la mafia qui a créé l'Italie. L'Italie a été créée par la mafia. Les gens qui ont fait l'Italie, Garibaldi, tous ces gens-là, c'est des gens qui payaient à la mafia la dîme. Sinon, ils ne peuvent pas. La mafia est dans les forces de sécurité. La mafia est dans les forces de renseignement. C'est la mafia qui a permis au Japon de devenir le Japon. On appelle ça les Yakuza. C'est la mafia qui a permis à la Chine de dominer tout un continent. C'est la mafia. Mais tout le monde est unanime sur un point. La mafia, ce n'est pas bon pour les nègres. La mafia est bonne pour tout le monde, mais jamais pour les noirs. Le communautarisme, tout le monde fait. Mais les noirs, non. Ils ne doivent pas faire le communautarisme, c'est très mauvais. Tout ce qui est bon est mauvais. Alors, évidemment, ils vont retenir une chose. Corvi, Rec Miret a ajouté le scandale au scandale en faisant l'apologie de la mafia. Je n'ai pas fait l'apologie de la mafia. J'ai fait l'apologie de la solidarité organique du clan, de la communauté, de la nation, du peuple. Tu ne peux pas dire que tu veux aller défendre et libérer les Palestiniens
Les Congolais meurent. Si ton continent, tu ne bouges pas. Donc, nous sommes, en fait, aujourd'hui, dans des dispositions qui sont antimatiques. Parce que quand tu fais la maths, ça s'applique d'abord à tes semblables. C'est-à-dire aux autres toi-même. On n'applique pas la maths à l'humanité. L'humanité, c'est une abstraction. Ça n'existe pas, l'humanité. Personne n'a jamais vu l'humanité. Par contre, on a vu des Congolais qui souffrent. On a vu des gens au Biafra. On a vu des gens au Cameroun qui souffrent au moment où nous parlons. Il y a des gens qui meurent partout. Où sont les Africains qui pratiquent l'esprit de la maths? Pourquoi sont-ils absents? Pourquoi ce que Kémi Séba appelle la culture des urgentistes, les urgences panafricanistes? Pourquoi les États ne font pas? Pourquoi les États ne font pas? Pourquoi les États attendent l'OMS pour le faire? Tout cela est plus que suspect. Je pense, je vais même être beaucoup plus explicite. Je pense que c'est fait exprès. Ça s'appelle non-assistance à peuple en danger et en perdition. Et je termine en disant ceci. Ce que nous a donné Réviou, qui est un blanc, c'est une arme juridique de désaliénation massive des nègres. C'est ça qui nous a donné. Et c'est comme ça que le nègre doit apprendre que l'esprit de la maths demande à ce que tu utilises ta force pour défendre tes droits. Celui qui ne sait pas défendre ses droits ne mérite pas de vivre. C'est ça l'enseignement de la maths. Quiconque ne défend pas ses droits ne mérite pas de vivre. Parce que le premier de tous les droits humains, c'est le droit à la vie. C'est le droit à la vie. Normalement, si on avait été un peuple qui pratique l'autodéfense, le policier qui a tué le noir là, il ne doit pas rester vivant. Parce que quand tu ôtes la vie à quelqu'un, dans la loi du talion, on ôte ta vie. On ne t'emmène pas au tribunal pour venir raconter que tu n'as pas fait exprès. Ou des gens comme ça. Or, le nègre, aujourd'hui, il est victime de l'injustice d'État. Mais le nègre n'est pas capable de se faire justice face à un État qui est injuste avec des lois scélérates. L'État des États-Unis est un État totalitaire, fasciste racialement, sous des oripeaux d'une démocratie qui est une démocratie en trompe-l'œil, au TEP. Dixième et dernière question. À titre personnel, quelle leçon majeur, tirez-vous de votre lecture méthodique de l'ouvrage de Eugène Revuillot intitulé « Les origines égyptiennes du droit civil romain » Serge Kavi. Il faut, lorsqu'on aborde un ouvrage, se poser trois questions. La première question, c'est en ouvrant cet ouvrage, et en voyant le titre « Les origines égyptiennes du droit civil romain », quelles sont les interrogations majeures que je vais soumettre à cet ouvrage afin d'avoir des pistes de réflexion et non pas des vérités d'évangile. Des pistes de réflexion. Parce qu'un ouvrage qui t'empêche de réfléchir est un mauvais ouvrage. L'ouvrage doit ouvrir des pistes de réflexion. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une fois que tu as ces pistes de réflexion, qu'est-ce que tu en fais dans ton projet? Parce que tu es un porteur de projet panafricain. On ne peut pas être spectateur de l'Afrique qui se noie. Donc, la situation de l'Afrique actuelle, qui est confrontée à une guerre d'extermination qui ne dit pas son nom, nécessite que nous devenions tous des acteurs. Si je suis entrepreneur, si je suis bibliothécaire,
Si je suis pâtissier et je lis ce livre, qu'est-ce que ce livre m'apporte dans mon projet entrepreneurial pour la renaissance chimique? Que ce livre m'apporte? La dernière chose. Un livre appelle un livre. En quoi ce livre peut être une source d'inspiration pour le prochain livre? Et notamment pour mon propre livre. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut lire un livre. Et lui, il n'écrit jamais. Il ne fait que lire. Il y a des clubs de lecteurs nègres qui ne font que lire. Des grands pharaons fanfarons qui ne font que lire. Qui citent plein de titres. Tu vas croire qu'ils ont lu. En fait, ils citent les titres pour jouer à l'érudit. Ce qui leur permet de draguer les filles. Parce qu'ils jouent au pharaon et déguisés avec des croix encre partout. Et il dit à la fille, « Oh toi, ma belle princesse de la vallée du Nil, ne sera-t-il pas partant pour une aventure ?» Il n'a même pas, il n'a même pas de carte bleue. Il est au RSA. Il est autour. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire? Non. Nous voulons avoir de la richesse pour permettre aux Africains d'avoir des emplois. On n'est pas là juste pour faire de la gesticulation intellectuelle, Narmer et moi. On est là pour que ces livres servent à libérer l'Afrique. Voilà la différence entre nous et ceux qui font de l'intellectualisme. Par conséquent, j'ai noté à travers ce que nous a dit Aswan et une convergence remarquable avec ce que nous enseigne Réviou. Et je voudrais donc finir avec ça. Je m'excuse. À la page 85 du livre intitulé Math, l'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale, Asman parle de la dimension cosmique. Et il dit Math est la course solaire. Bon, moi, je préfère dire le périple quadripolaire de Ra dans le circuit cosmique. Moi, c'est comme ça que je préfère dire. Quoi qu'il en soit, il écrit ceci. Avant d'aborder le plan cosmique, il nous faut d'abord expliquer la notion même de justification. Cette idée englobe toutes les différentes sphères de la réflexion égyptienne sur le cosmos. La vie terrestre de l'individu, l'immortalité dans l'au-delà, la vie même de l'état pharaonique. Tout cela est lié au problème de la justification. Car toute justice est déjà à l'origine, c'est moi qui commente, la quête de l'ordre juste. C'est parce qu'on a une idée de l'ordre juste qu'on peut dire que cet acte est conforme à l'idée que je me fais de l'ordre juste. Ou tel acte n'est pas conforme. Or, poursuit Asman, le point focal de la destinée post-mortem de l'être humain, c'est le rituel de la pesée du cœur qui se termine par la sanction de la justification. À son écrit, nous traduisons par justifier le terme égyptien makeru qui signifie en fait littéralement juste de voie. C'est une épithète annexée au nom du défunt pour exprimer précisément qu'il a passé avec succès
l'examen de la pesée du cœur devant le tribunal divin et obtenu une sentence favorable. L'élément voix se référait peut-être originellement à la voix du juge suprême qu'est Anubis, proclamant la sentence du juste. Proclamant la sentence du juste. Mais la voix elle-même pourrait aussi renvoyer à la voix du défunt clamant son innocence devant le tribunal et plaidant sa bonne foi. Juste signifierait en ce cas qu'il a dit la vérité en toute bonne foi et que sa déclaration est susceptible d'être jugée véridique. La notion de justification implique par conséquent une instance qui juge, décide et proclame d'une part et une confrontation binaire qui nécessite la décision entre oui et non, juste ou injuste, innocent ou coupable. À l'origine même de cette confrontation n'était conceptualisée que sous une forme concrète personnelle, à titre de confrontation de personnes ou de parties adverses en conflit. En ce cas, la partie A est proclamée juste et la partie B est proclamée injuste. C'est la conception originelle d'un tribunal dans l'au-delà qui domine les textes des sarcophages du Moyen Empire. Le tribunal n'opère qu'en cas d'interpellation urgente. Quelqu'un demande justice contre un autre parce qu'il a été victime d'une spoliation et d'une violation de son bien. Mais le cas étant de toute évidence tout à fait ordinaire, parce qu'aucune société humaine n'est parfaite. Chacun devait s'y attendre et s'y préparer. Pour pouvoir triompher de quiconque se présentant comme adversaire, il faut s'être d'abord conformé soi-même aux exigences de la mat. Celui qui s'y est conformé, le mati, qu'on appelle le matisé, triomphe sur tous les autres, pour autant qu'ils aient négligé la mat. La notion de triomphe ou de justification triomphale est donc centrale. À celui qui est proclamé juste, sera donné tout pouvoir, c'est qu'elle, sur son adversaire. Et il s'agit d'un pouvoir spirituel et éthique. Le triomphant est le puissant, même quand il est faible. Parce que dans l'ordre juste, il est celui qui a été victime. Et celui qui a été victime a préséance face à Matt sur celui qui a été coupable. Le détenteur de cet M est donc libre de l'utiliser contre son adversaire. Cette liberté intime, nous l'appelons le libre arbitre. Cette institution très archaïque du droit égyptien, qui remonte certainement au Soudan et au-delà, sert à éliminer toute tentation de vengeance privée. Personne n'est autorisé face à Matt à procéder contre un autre tant qu'il n'a pas été proclamé juste dans la salle des deux mains. Nous rejoignons ainsi le principe abolissant l'indépendance, l'autarcie, l'individualisme qui sont à la base de la loi du talion. Ici, c'est le droit proclamé par Matt qui l'emporte sur le fait de se faire justice en tant que celui qui veut rétablir son propre droit. Car quelqu'un peut être injuste et se faire passer pour juste. Et quelqu'un peut être juste et se faire passer pour injuste. La seule manière de démarquer les faussaires de la justice, des victimes de la justice, c'est de faire en sorte qu'une instance incontestable qui les dépasse tous permette de rétablir la vérité, l'ordre et la justice. Bon, je commente.
Ta vie commence maintenant. Je dis ceci. Le cosmos, pour autant que sa loi nous soit connaissable, par la raison, montre que tout est conflit. Et que ce conflit se matérialise par une opposition binaire entre deux forces. Une force d'équilibre et une force de déséquilibre. La tension entre ces deux forces se manifeste entre la tension qui oppose Ré à Apophis, qui oppose Seth à Horus, qui oppose les Kemptio aux Setatio, c'est-à-dire les neuf arcs, c'est-à-dire les neuf peuples héréditaires ennemis de la maths. Pas ennemis de la race noire, ennemis de la maths. Et il y avait des nègres qu'on appelle les Wawat qui étaient déguisés, mettaient des feuilles de branchage et faisaient n'importe quoi et disaient qu'ils ne veulent pas qu'on construise des pyramides, qu'on construise des écoles, qu'ils s'opposent à la civilisation. Au nom de quoi? Au nom d'un certain nombre de nègreries avec des talismans, des trucs bizarres. Je me suis opposé à ça. On a dit qu'avec ces talismans, nous pouvons affronter des missiles solaires, que nous pouvons affronter l'arme atomique, que nous pouvons... Et des nègres prennent de l'argent à d'autres nègres pour qu'ils puissent faire ces talismans, c'est-à-dire ces nègreries. Et je me suis opposé à cela. Donc, ce que je dis, c'est très clair. Il est impossible de substituer à la puissance fantasmée des talismans la force spirituelle de Math. Le peuple noir fondera les États-Unis d'Afrique, la civilisation africaine que nous voulons bâtir, sur la Math, ou va sombrer dans la perdition et l'erreur. La Math apparaît ainsi, comme le concept nodal, le concept clé à partir duquel nous allons débloquer les situations les plus bloquées. Donc nous disons que, au plan strictement psychologique, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque quelqu'un vous juge et vous rend coupable de tel ou tel acte, vous ne l'acceptez pas. Pourquoi? Parce que vous considérez qu'il vous a stigmatisé, qu'il a fait un jugement ad hominem dont vous êtes la victime. Donc vous avez beau être coupable d'injustice, vous vous victimisez en disant que vous n'acceptez pas le jugement. Donc je fais appel. Mais lorsque c'est votre propre conscience qui se juge, ce n'est plus la même chose. Or, la scène du jugement divin consiste à vous dérouler le film de votre vie. Et votre conscience prend conscience de sa conscience. Votre conscience prend elle-même conscience de sa conscience. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience. Un être humain qui ne fait pas l'examen de conscience, c'est un locodère, c'est un nomade, c'est un isphétien, c'est un albinoïde, c'est un déséquilibré mental. Tout ce quoi. Parce que tu ne peux pas perpétuer la haine que tu sais très bien être destructive pour toi. Lorsque tu es un homme de haine pour qui Césaire n'a que haine, tu ne peux pas perpétuer cela sans savoir que la haine te détruit et te ronge toi-même. Donc lorsque tu te débarrasses de la haine, ton cœur est soulagé. C'est comme si tu n'as pas vomi encore. Il faut vomir de la haine. Or, le locoderme, il dit qu'il ne va pas vomir la haine. Ou plutôt, son vomi mange encore.
Et il recommence. Ce récidive montre que nous sommes face à deux oppositions. Il y a ceux qui pensent que les leucodèmes ne seront jamais solubles dans la mâle. Donc c'est la force. Il faut qu'on ait la force. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut prendre le temps d'éduquer les leucodèmes pour pouvoir ensuite avoir l'espoir qui change. Moi, j'ai dit, nous, on a le temps de disparaître. C'est aussi l'urgence. Donc, j'éduque d'abord mon peuple avant de dire l'humanité. On éduque, chacun éduque les siens. Et après, on se retrouve au carrefour de ce que Senghor a appelé la civilisation de l'universel qui n'existera jamais. Qui n'a existé que dans ses fantasmes à lui, Senghor. Donc, par conséquent, la conscience se juge elle-même et prend conscience que le mal est possible par l'ignorance de la nature du bien. Le mal n'est possible que quand il y a ignorance de la nature du bien. Mais le noir, en même temps, c'est le deuxième point, n'a jamais pensé le mal absolu, ni le bien absolu. Le noir n'a jamais pensé le diable. Il n'y a pas de mot pour dire diable chez le noir. Et deuxièmement, il n'y a pas de mot pour dire l'ange chez le noir. Le noir a toujours pensé que le bien, c'est la maîtrise de l'ordre, du désordre par l'ordre. Ce sont des forces qui se maîtrisent. Mais ce ne sont pas des forces qui se détruisent. Or, le mal est le mal absolu est destructeur. Absolument. Voilà pourquoi nous disons Damballa. Damballa, c'est le serpent bicéphale qui s'enroule autour d'un bâton magique, comme celui qui était attribué à Moïse à tort. Et une des têtes porte le poison, le venin. L'autre tête porte l'antidote, le médicament. Et la force qui porte l'antidote et le médicament extirpe le poison chaque fois et maîtrise donc le mal. Donc le mal est obligé de jouer le jeu du bien contre son gré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas supprimer l'égoïsme dans le cœur de l'homme. On ne peut pas supprimer la jalousie. On ne peut pas supprimer dans le cœur de l'homme les mauvaises pensées. Mais ce qu'on peut faire, c'est prendre des précautions pour que les mauvaises pensées de l'homme ne détruisent pas l'humanité. C'est ça la mal. C'est ça fondamentalement la mal. Donc, nous disons que le droit est fondé sur l'ordre juste. L'ordre juste est le garant de la paix. Parce que toutes les injustices viennent du fait qu'il n'y a pas la justice. Donc il n'y a pas de paix. Et la paix, à son tour, permet aux hommes de cohabiter en neutralisant les mauvais penchants, en faisant en sorte que tout ce qui concourt à détruire l'espèce humaine, l'humanité, puisse être combattu sans que pour autant on ne fasse la peine de mort. Parce que pendant 9 mois, une femme a porté un enfant, même si c'est un monstre, même si c'est Sassou, on doit préserver. Ce qu'il faut, c'est une Afrique dans laquelle des spécimens comme Sassou n'aient plus aucune possibilité de nuire. C'est ça que nous voulons construire. Et c'est cela que nous appelons la maticratie. Et la maticratie est évidemment une méritocratie. Je voudrais, à ce stade, informer de la manière la plus officielle les internautes et les téléspectateurs qui suivent depuis 2 ans, nos séquences vidéo live gratuites, que
j'ai décidé de créer une chaîne de télévision sur le web. Et le titre, chacun le voit, Kemet Sema Tawi News TV. Kemet, c'est notre maison commune. Sema Tawi, c'est le rituel de réunification des familles dispersées. Les deux terres, c'est le continent et ses diasporas. News s'oppose à fake news, dont la spécialité, c'est BFM TV, c'est France 24, Radio France Internationale, tout ça, CNN, BBC. Donc, nous avons le défi du pouvoir médiatique. Nous devons avoir, face à la propagande qui veut que l'Afrique soit pauvre, l'Afrique soit un continent d'indigents indigènes qui n'ont rien apporté à l'humanité. Nous avons le devoir de montrer que l'Afrique est la terre, c'est-à-dire la matrice de l'humanité, de la civilisation, mais aussi de l'humanisme et des valeurs matiques. Pour ce faire, nous voulons mettre en place des émissions qui appartiennent à deux catégories d'émissions. Il y a les émissions de géopolitique et géostratégique. Donc géopolitique, géostratégie forment un couple. Nous entendons par là la manière dont les nations deviennent des puissances et les rapports de force qu'il y a entre ces puissances. Lorsque des nations ne sont pas capables de faire face à ces rapports de force, c'est-à-dire ces défis que les anglo-saxons appellent challenge, ces nations disparaissent ou alors vivent sans aucun pouvoir dans le concert des nations comme des faire-valoir. Ou alors, lorsque ces nations peuvent relever ces défis, ces nations survivent et protègent leur population de la destruction. Donc, c'est le cas de la Chine, dont nous connaissons l'historique. C'est le cas de l'Inde. C'est le cas de la Russie. Parce que ces trois pays que je viens de citer, aucune puissance occidentale ne peut faire ce que la France a fait en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que ces puissances ont l'arme nucléaire. Ces puissances ont une organisation industrielle, ont un certain nombre de choses, ont des technologies qui les mettent à l'abri de ce que je peux appeler l'absence de souveraineté. Ils ont la souveraineté, ils sont souverainistes. Nous pensons que le continent africain doit devenir une puissance. Par conséquent, c'est la géostratégie et la géopolitique mondiale qui vont permettre de savoir comment on relève les défis. Il y a un grand défi qui porte un nom, c'est l'industrialisation. Comment on va industrialiser l'Afrique? C'est un défi. Comment on va faire en sorte que le Sahara et le Kalahari cessent d'être des déserts pour devenir des endroits où on plante des choux, des salades, des gombos? C'est un défi. Comment on va faire pour que le coltan de la RDC permette de fabriquer des téléphones portables qui fonctionnent avec l'énergie solaire et aussi fonctionnent des ordinateurs tropicalisés avec énergie solaire? C'est un défi. Eh bien, la somme de tous ces défis, je pense que nous devons investir dans la matière grise. La matière grise du nègre montre que de Imhotep à Emigweli, en passant par Cheikh Anta Diop, Ahmed Baba, tout ça,
C'est l'Afrique qui est le continent de l'innovation et du génie intellectuel. C'est ma position. Donc, il faut que tous ces enfants qu'on voit à demi dénudés dans les faubourgs de Yaoundé, de Banjul, de Cotonou, etc., deviennent des Imhotep et des Tchakansadio. Voilà mon combat. Donc, je ne peux le faire qu'en faisant des émissions de haute volée dont j'ai moi-même le secret. Deuxièmement, il y a une rubrique. C'est la rubrique qui est consacrée à ce que j'appelle les architectes de la Renaissance kémite. Il y a des musiciens, des artistes, des gens qui étudient la lune. Comment quelqu'un qui étudie la lune? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la lune. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'Afrique? Ben, un observatoire astronomique qu'on pourrait mettre, par exemple, au Mali. Parce que Fatoumata Kébé, c'est ce qu'on appelle un génie. Eh bien, moi, je vais faire défiler les génies. Et cette partie, cette deuxième émission, va s'intituler « Aux sources du génie kémite à la découverte des savants de Kémet ». C'était un peu l'émission que j'avais faite sur Africa numéro 1 avant qu'on ne décide de me censurer. Maintenant, on ne peut plus me censurer puisque j'aurai ma propre télé. À moins qu'on ne me pousse moi-même à m'auto-censurer. J'ai ma propre télé. Ça va être compliqué. Donc, je vais faire 10 émissions. Une émission tous les 15 jours. L'émission que je vais faire dimanche. Et nous donnerons le lieu où l'émission va être enregistrée pour que ceux qui le souhaitent viennent assister à l'émission. Porte sur le thème suivant que je résume bien sûr. La guerre des virus qui a commencé depuis au moins 1935, que l'Italie a utilisé des virus dans sa guerre contre l'Éthiopie. Et qui finit sous nos yeux avec coronavirus. Combien de peuples ont été décimés? Quels sont les virus que les Américains ont utilisés contre les Amérindiens? Quels sont les virus qu'on a utilisés contre le Vietnamien? Quels sont les virus qu'on a utilisés contre les Chinois, les Cambodgiens, les gens comme ça? Surtout l'Afrique qui est la terre par excellence d'expérimentation de tous les virus. Quels sont les virus? Donc l'historique des virus. Cela s'appelle en langage polémologique. On appelle polémologie la science qui étudie la guerre. Cela s'appelle des guerres bactériologiques. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, il y a des laboratoires spécialisés pour fabriquer des virus, les tester sur des rats de laboratoire et ensuite les libérer sur des populations civiles pour observer ensuite les dégâts. Et après, l'OMS, l'Institut Pasteur, vont maintenant demander des fonds pour fabriquer des vaccins. Et Bill Gates aime nous donner des vaccins pour nous tuer. Donc tout cela, quels sont les enjeux géopolitiques de la guerre bactériologique? Voilà la position de Covid. Troisièmement, les élites politiques africaines sont étonnamment négligente face à tous les signes avant-coureurs
qui montre que l'Europe, après avoir été victime des virus alors qu'elle avait l'habitude d'en donner aux autres, cherche maintenant à diminuer la population de l'Afrique sous prétexte de générosité et de vaccins. C'est cela que l'Europe prépare en mettant à la tête de l'OMS, qui est une organisation criminelle, je pèse mes mots, un Éthiopien, lequel Éthiopien fait le service après-vente de la communication pour dire qu'on va imposer, s'il le faut, les vaccins en Afrique. Ben, nous disons ceci. Chaque fois que l'Europe veut commettre des crimes contre l'Afrique, l'Europe met des missiles dominici africains. Au niveau de la CPI, on a mis Bensouda. On met des nègres inconscients et irresponsables. Donc, nous disons que toute l'Afrique doit être, c'est-à-dire Covid décrétera au cours de cette émission une mobilisation générale pour que toute personne qui vient vacciner les Africains soit capturée et livrée à un certain nombre de nègres qui sont décidés à prendre le pouvoir pour qu'on en finisse avec ce genre de choses. Donc la troisième guerre mondiale bactériologique n'aura pas lieu en Afrique. C'est ça que Covid dit. Et toutes les dispositions seront prises. Nous récusons tous les Africains qui travaillent à l'OMS qui sont complices. Nous voulons des médecins urgentistes noirs africains qui travaillent avec les tradis praticiens africains. Et cela se fera dans le cadre d'une institution qui va prendre la place de toutes les ONG, de l'OMS, de tout ça que je ne veux plus voir en Afrique. C'est l'ordre des sous-nous. Sous-nous en égyptien veut dire les médecins. L'ordre panafricain des médecins et des tradis praticiens pour la renaissance chimique. Et nous allons dire que c'est l'ordre de Pécéchette. Pas à Chatou. Pécéchette, c'est la femme qui était médecin cheftain de l'ordre des médecins de haute et de basse Égypte. C'est une femme. Spécialiste dans l'accouchement sans douleur, sage-femme, spécialiste contre les lésions cérébrales, spécial. Oh là là. C'est-à-dire des femmes d'une telle puissance. Donc, ce que je veux, c'est que nous prenions date pour dire, au lieu de nous plaindre que les gens veulent nous vaciner, en Afrique, on empêche par la société civile panafricaine toute expérimentation par des vaccins en Afrique noire. Jusqu'à nouvel an. À notre position. Cette émission va durer 3 heures. Au cours de laquelle je vais donner donc les documents qui montrent comment ils fabriquent ça. Comment ils ont sévi depuis. Je vais même plus loin. En Afrique du Sud, ils ont utilisé ça dans un laboratoire et ils ont fait plus d'1,5 million de morts. En Namibie, au Botswana, tout ça, en inoculant l'anthrax, le sida, toutes sortes de pandémies. Et celui qui a fait ça s'appelait Wouters Basson. Et on lui a donné même le surnom de médecin des nazis, le docteur Mengele. On l'appelait le docteur la mort. Si vous regardez le docteur la mort, vous allez voir l'expérimentation pour tuer les populations noires d'Afrique. Donc nous sommes entrés dans l'ère de la guerre bactériologique contre l'Afrique noire. J'en appelle à tous les Africains noirs pour qu'ils prennent leur disposition afin que l'Afrique devienne une terre absolument inhospitalière pour tous les marchands de la mort, spécialiste de la guerre des virus. Donc cela va se passer dimanche de 14h à 18h. Et cette émission sera ensuite accessible aux internautes et aux téléspectateurs moyennant un abonnement
de 15 euros. Il y a 10 émissions. Il y a un pack de 10 émissions à venir. Ceux qui veulent souscrire à l'abonnement pour les 10 émissions, qui seront même pré-enregistrés, ceux-là, ils bénéficieront d'une exonération de paiement. C'est-à-dire de forfait, on dit. Donc, ils auront 100 euros à payer, ce qui revient à 10 euros par émission. Ce qui veut dire qu'ils ont fait une économie de 50 euros. Les autres devront payer émission par émission 15 euros. Nous envisageons pour la deuxième émission une tarification spéciale pour l'Afrique, pour Haïti et pour tous ces pays où le niveau de vie ne permet pas d'accéder à cette information moyennant 15 euros. Au stade où nous en sommes, des informations seront disponibles sur les plateformes numériques que sont Université panafricaine des savoirs Imhotep, sur Tameri Sematawi, qui est notre partenaire. Ce qui veut dire que les lives vont continuer jusqu'à nouvel ordre. Nous ne sommes pas sûrs de faire 500 lives pour les grands ouvrages classiques. On sera peut-être plus en vie. Mais nous ferons le maximum du maximum. Cela veut dire que les émissions géopolitiques ne veulent pas dire qu'il ne faille pas lire les livres. Les livres sont des compléments de l'analyse géopolitique. Les livres sont des compléments. Je vais même plus loin. Au cours de chaque émission, à la fin, nous allons donner une liste de livres de géopolitique disponibles à la librairie Tameri. Je voudrais remercier, puisque l'occasion fait le larron, le frère de combat, Narmer Nzeo, qui, à l'issue de ma pénible traversée du désert, m'a tendu la main et m'a redonné une visibilité. Et je crois, en toute humilité, n'avoir pas été indigne de son acte de sollicitude fraternelle. Je remercie le frère de combat Nzafio Dogonengye pour la partie technique. Je remercie une sœur de combat qui est dans la salle et un frère de combat, tous deux extrêmement attentifs jusqu'à cette heure tardive. Et je voudrais, comme j'en ai pris l'habitude, tout en demandant aux uns et aux autres d'obtenir des précisions sur les modalités d'abonnement à l'émission. Je répète, sur la plateforme Université panafricaine des savoirs Imhotep et sur Tameri Sematawi, je demande aux uns et aux autres de faire en sorte que cette expérience nous permette d'avoir ensuite d'autres émissions. Des émissions de santé, des émissions de vie familiale et sociale, des émissions d'éducation. Ce qui veut dire que nous allons amener sur le plateau, au fur et à mesure, d'autres animateurs qui seront salariés. Donc tout dépend de vous, tout dépend de votre capacité à relever les défis et le défi de l'indépendance médiatique en est un. Dans son ouvrage intitulé « Antérieur